la force tranquille. Donc, tout ce que vous avez pris, répétez naturellement et poliment. Oui. Je dis remettez naturellement et poliment. Oui. Vous croyez où? C'est avant que tous ces comportements bizarres là. Vous avez compris, non? Maintenant, je suis là. Ok? Je suis la femme de votre frère et seulement si vous appelez, que venez prendre quelque chose, là vous venez. Mais jusqu'à cela, je ne vous ai pas appelé. Donc vous restez chez vous. Il est inadmissible que mon mari entre avec les vêtements, vous venez là, vous entrez comme ça là. Vous vous prenez pour qui? Ah, ok, d'accord. Donc comme Elvige là, vous croyez à toi comment je suis Elvige? Moi je ne suis pas Elvige. Je ne suis pas Elvige. Donc si on ne vous appelle pas, ne mettez plus les pieds ici. Tata, c'est même pas moi. C'est elle qui a commencé. Ok, bah je te taire. Toi-même, tu as le compote, le sac, on va me déballer. Il dit que quand on ne vous appelle pas, ne mettez pas les pieds ici. Donc je ne peux pas m'amuser avec mon gars. À cause de la belle famille. C'est notre frère. Et puis quoi? Écoutez, vous allez rentrer chez vous. Ok. Si votre frère vous a gagné quelque chose de la France, on va vous appeler et on va vous remettre. Au cas contraire, vous attendez chez vous. C'est tout. Bonsoir. Trop de cigares. C'est une champagne, ça. Ça va, mon cœur? Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tes frères manquent le respect. Trop de champagne. C'est une cigare. Cigare de bouillard. Écoutez, on va faire ça calme, ok? Ici, il y a deux capitaines dans ce bateau. Après moi, c'est elle. Ok? Si vous a dit de vous barrer, hein, il n'y a pas de repli. Barrez-vous. Si vous a demandé de partir, vous n'avez pas manqué de respect à ma femme. Et vous croyez que parce que vous êtes des membres de ma famille, je vais vous supporter. Vous n'êtes pas sérieux. Non, mais barrez-vous. En tout cas, le comportement que vous aviez avec Elvige là, moi je ne suis pas Elvige. Vous avez compris, non? Moi c'est Lily. Ok? Donc, veut ou pas, vous allez me respecter. Et si elle dit on ne touche pas, on ne touche pas. Donc, rentrez chez vous tranquillement, attendez qu'on vous appelle et vous venez. Si on vous appelle, c'est bien.
Et ça ne vous appelle pas, vous restez chez vous tranquillement. Et je ne veux plus vous voir ici. Et toi, quand tu entres ici, là, dans la mamie, moi, quand je cuisine, je veux que tu vois ma mamie. C'est la toute dernière fois. C'est mon mari, c'est pas ton mari. Marie-toi. Une vraie femme, là, c'est celle qui est mariée. Moi, c'est mon mari. T'as paré où? T'as paré où? Déjà, je suis fatigué, très épuisé. Le voyage était super long. Et là, j'ai pas le moral à bavarder. J'ai envie de rester 2 secondes avec ma femme. Vous pouvez même me permettre ça? Mais tonton, on dirait que tu as changé. On dirait que tu as charmé. Ah ouais? Qui aurait cru vraiment que ça pouvait être comme ça? Non, mais tu n'étais pas comme ça. Mieux c'était Elvis. Tu n'étais pas comme ça avant. Est-ce que tu étais comme ça avant? Non, non, tu as changé. Tu es du passé comment? On va casser la bouteille, ouais, t'es enfermé. Mais là, ça c'est quoi? Tu n'es pas profiter de toi. Tu veux la remplacer ou quoi? Non, on veut remplacer comment? Avant, elle et moi, on était là. Nous sommes tous le même ventre ensemble, non? On n'a pas grandi ensemble. Ah, n'est-ce pas? Profiter de lui. Comment? Donc, quand il s'agit de venir t'asseoir et trier les vêtements avec lesquels il est rentré, tu viens t'asseoir, tu manges. Non, chérie, c'est pas parce que tu es ta famille ou c'est moi? Bon, écoutez. Moi, c'est pas ton travail, non? Maintenant, quand ça fait les enfants, je m'emballe les steaks. C'est ça, ce que vous allez faire maintenant. Je vais vous demander poliment, vous êtes encore les membres de ma famille, jusqu'à preuve de contraire. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? La patronne est appelée. Hein? J'étais plus comme avant. Allez, lâchez tout ça. Allez, barrez-vous. Elle a dit cassez-vous. La famille n'est pas une prise en charge. Toi, j'ai voulu que tu joues au basket. Qu'est-ce que t'en as fait de ta vie, toi? Toi, ramène-moi ça. T'es toujours chipper. Non, mais toute ta vie. Comme ta mère, toi. Ma soeur. Quoi? Allez, c'est fini, ça. C'est pas grave. Attendez-le chez vous. Attendez-le chez vous. Bah oui, mon cœur. L'autre, Thomas, c'est ça. La famille n'est pas la prise en charge. Allez, chérie. Voilà. Donc, tu laisses ta famille venir et cela mettre les mains dans les choses de ma famille, mon âme. Qu'est-ce que tu m'as dit quand tu venais? Qu'est-ce que tu m'as dit quand tu venais? Que le contenu que tu as de mettre là, c'est pour ma famille, non? Un peu comme tu es là. Mais sérieux, bébé. Mais non, ça change rien, mon cœur. Écoute, je vais appeler ta mère, qui est ma belle-mère. Hein? Elle va venir avec tes frères, ils vont tout prendre. C'est pas grave. Je vais pas te prendre la tête pour ça. C'est rien. C'est dès qu'une fille me... C'est rien à ça, mon cœur. Hein, vraiment. Fais-moi un petit câlin. Dis-moi tes câlins. Et ta soeur qui m'insulte là. Il peut dire ta soeur, je ne suis pas son égal. Je ne suis pas son égal. Elle est comme Marie, lui, sa mère. Hein? L'autre que t'as vu là, sa mère s'appelle Maggie. Et dès là, autant son Aurélie, là, son fils qui était là, ils sont tous comme ça. Mes soeurs, c'est pour ça que tu les as pas vus. Hein? Moi, je m'en fous de ta famille. Ils ne me servent à rien. Tout ce que veut moi, c'est toi. Ta famille, je m'en fous de ta famille. Je t'aime, je n'aime pas ta famille. Voilà. Donc, il reste chez eux. Oh, c'est bon.